et sur TV et Radio de Vie, merci pour votre présence, donc euh, nous sommes euh, très très heureux de vous savoir, c'est nombreux, merci pour votre présence, Herman. Ouais. donc j'avais une question tout à l'heure, je disais, bien sûr c'est en réaction à tout ce qui se passe et euh, à l'une des interventions que tu as eues à la veillée euh, du 4 il me semble, donc c'était concernant la dot, donc est-ce qu'un chrétien déjà peut... Euh, euh, y a un, que ce soit famille ou euh, un chrétien un chrétien doit imposer la dot ou doit la payer ou parce que en fait aujourd'hui c'est on comprend plus trop si c'est une euh, quelque chose de biblique ou si c'est si c'est une tradition si c'est euh, et je pense que il y a un gros mélange par rapport à ça et euh, j'aimerais avoir ton ton point de vue et ce que la Bible dit surtout par rapport euh, par rapport à la dot quoi d'accord enfin qu donc coup aujourd'hui euh, Qu'est-ce que les Écritures disent concrètement par rapport à ça, en fait Ok. Nous sommes dans euh, Matthieu 15. On va nous lire, si c'est possible, à partir du verset euh, premier. er Matthieu 15, je, je vais le lire. 1 à. Comme je suis dessus. à 9. Donc, Matthieu 15, 1 à 9. Il est dit Alors, des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent Pourquoi tes, tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et il a dit aussi, celui qui maudira son père ou sa mère finira à la mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, tout ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas coupable, quoiqu'il n'honore pas son père ou sa mère. Vous, a, vous annulez ainsi le commandement de Dieu par votre tradition. Hyproc hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi, euh, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'honore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements des d'hommes. Hommes. Voilà. Alors, euh, euh, qu'est-ce qu'on apprend Là, déjà, euh, le Seigneur a fustigé. Et euh, euh, le comportement des pharisiens. Pourquoi Parce qu'ils avaient annulé la parole du Seigneur au profit de leur tradition. Et euh, ils aimaient beaucoup, euh, ils préféraient plutôt les, les commandements d'hommes euh, au lieu de s'attacher à la parole du Seigneur. Donc le Seigneur, vraiment, a été euh, très, très, euh, comme un très dur et très vrai avec ces, ces hommes. Donc je pense que aujourd'hui déjà, par rapport à la dot, la manière dont elle est faite aujourd'hui, euh, n'est pas du tout euh, scripturaire. D'ailleurs, la dot, on verra tout à l'heure, tout au long de l'explication et euh, de la réponse que je te donne, grâce au Seigneur, la dot, même si elle est dans les Écritures, elle n'est plus d'actualité. Et euh, on, va, on va expliquer donc la manière dont elle est faite aujourd'hui, aussi bien en Afrique qu'en Inde, et euh, c'est complètement traditionnel. Et euh, c'est de la tradition, c'est purement humain. Et je dirais même aujourd'hui, c'est carrément de l'arnaque. Parce que figure-toi, Herman, que en Inde, les familles, beaucoup de familles indiennes préfèrent avoir des garçons que des femmes, que des filles. Pourquoi Il y en a même, même beaucoup de femmes qui sont obligées, n'est-ce pas, quand elles tombent enceintes, si elles, jamais elles apprennent que c'est une fille, elles sont obligées d'avorter pour ne pas être ruiné. Parce que les familles euh, euh, des hommes exigent beaucoup, beaucoup de choses. Des, des vaches, euh, plein d'animaux et beaucoup d'argent. Donc, du coup, des familles euh, sont ruinées, des femmes qui se suicident, des femmes qui sont battues parfois par leur mari parce qu'elles sont tout simplement enceintes de femmes, de filles. Et euh, on voit vraiment que c'est, excusez-moi du terme, c'est carrément de l'arnaque, c'est du vol, c'est n'importe quoi, c'est des traditions d'hommes. Et euh, c'est des jougs. C'est de, carrément une malédiction, même, je dirais, parce que là, on met des jougs sur les gens, on les condamne. Et, euh, et, et et les hommes deviennent comme carrément comme des comme des marchands comme de la marchandise. D'ailleurs, à 18 en en parle par, par rapport à Babylone, qui aura des marchands, même d'âmes. Hein, on, on pourra le lire tout à l'heure. Donc, on verra vraiment, que ce sont des âmes qui sont euh, des âmes, des hommes, des femmes qui sont marchandés, qui sont vendus. Et euh, nous allons prendre un passage où il est question, euh, bien sûr, euh, pour la première fois dans les Écritures, du mot dot. Hein, et euh, c'est dans euh, dans Genèse, chapitre. Euh, euh, Genèse 34. Le, je lirai à partir du verset euh, et, euh, 8. Ensuite, on verra euh, en hébreu l'expression, euh, le terme, l'étymologie du mot dot. Voilà. Et euh, donc ici, il est question de Dina, la fille de Jacob. Je pourrais me lire à partir du verset 1 parce que euh, c'est pour la bonne compréhension. Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de, de Amor, le Hévien, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle et la déshonora. Son cœur fut attaché à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Amor, son père, en disant Prends-moi cette fille pour femme. Jacob garda, Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Or, ses fils étaient avec son bétail au champ. Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Qu'est-ce qu'on apprend Donc, la fille va être déshonorée. Amor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revinrent des champs dès qu'ils apprirent ce qui était arrivé. Ces hommes furent dans une grande douleur et furent fort irrités. De l'infamie que Sichem avait commise contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Amor leur parla en disant L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Donnez-la-lui, je vous prie, pour femme. Alliez-vous avec nous, nous vous donnons, nous vous, euh, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. « Et vous prendrez pour vous les nôtres. » Donc, euh, je répète bien, hein, donc, il y a un échange, il y a comme une alliance là. « Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. »« Restez pour y trafiquer, y acquérir des possessions. »« Sichem dit aussi au père et au frère de la fille que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai tout ce que vous me direz. »« Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents que vous voudrez et je les donnerai comme vous me direz. »« Et donnez-moi la jeune fille pour femme. » Voilà. Donc là, le père de la fille va négocier avec les parents, bien sûr, de Dina pour acquérir Dina comme si elle était un objet, comme si elle était une marchandise. Donc, déjà ici, nous voyons que c'est une coutume qui, mes amis, que les Hébreux ont emprunté chez les Cananéens. D'accord? Et euh, d'ailleurs, comme certaines fêtes même de yahweh qui ont été bien sûr complètement purifiées comme les trois fêtes comme la, 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 les fêtes, comme la fête des moissons par exemple c'est une fête qu'on trouvait qu que les israélites, les israélites pardon, ont trouvée chez les cananéens et ils l'ont adoptée donc yahweh l'a adoptée pour purifier cette fête là donc voyez bien qu'il y avait des coutumes des traditions que les hébreux ont trouvées chez les cananéens notamment la dot chez les Cananéens, la femme était comme un objet. La femme était comme une marchandise, et on pouvait négocier sur euh, euh, son achat, sur sa, sur son, sur le, sur, sur elle, sur ce, ce, le, le mariage euh, autour de la fille. Donc, il y avait vraiment tout un, euh, toute une discussion autour de la fille. Et, euh, et là, il dit :« Mais exiger de, de moi une forte dot. Donc, euh, écoutez. » Là, il est question, on retrouve ça chez les Africains. C'est-à-dire, là, il est question, il, rentre, il, y a comme, il y a comme un débat ici autour de Dina. D'accord Et, et euh, euh, il y a des termes qui sont utilisés pour parler de cette discussion euh, chez les Congolais. Comment ils appellent ça Kinzondi. Le, le Kinzonzi. Eh c'est ce que le monsieur est en train de demander ici. Vous voyez bien que c'est une coutume d'origine cananéenne à la base. D'accord Et. Euh, et, euh, et ce n'est pas du tout Jacob, le fils de Dieu, l'homme de Dieu, le prophète de Yahweh, qui a demandé de l'argent pour sa fille. C'est un, une personne issue des nations. Donc c'est un païen, je dirais, parce que les Cananéens adoraient plusieurs divinités. Voilà le sens, la définition exacte de, du mot païen. Donc c'est un païen qui est en train de vouloir imposer sa coutume aux Hébreux en disant Exigez de moi une forte dot et des présents. Et en aucun cas, on ne voit Abraham demander une quelconque dot pour euh, ses enfants. Et euh, en aucun cas, on ne voit Abraham dire, voilà, je paye cette dot-là parce qu'on me l'a exigé. D'ailleurs, quand il a donné des présents euh, pour son, sa belle-fille, euh, Rebecca, ce n'est pas les parents de Rebecca qui l'avaient exigé. N'est-ce pas? Donc euh, voilà, Donc, on voit bien que et, euh, là, c'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec une nation païenne. J'insiste là-dessus, c'est important, c'est très important de le souligner. Et euh, alors nous allons voir justement euh, le mot hébreu que euh, Amor, cet homme païen, a, va utiliser. Donc c'est le, le, le mot et, euh, moar, hein, c'est l'hébreu moar, vous le voyez bien. Et moar signifie premièrement prix d'achat. D'une épouse. Prix d'achat d'une épouse. Argent de noces. Donc, si on peut, euh, euh, Eric, avec le, le curseur, euh, noircir un peu la définition euh, euh, du mot à mort Voilà. Et, euh, voilà, on va mettre un coup de machin dessus, de peinture dessus, là, merci. Et vous euh, voyez, donc le mot dot. Utilisé dans, 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 euh, dans ce verset, dans ce passage, signifie littéralement prix d'achat d'une épouse, argent de noces. Mais la première définition, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le prix d'achat d'une épouse, d'une femme. Écoutez, et, euh, vous ne pouvez pas dire au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander au. Euh, euh, dire qu'une chrétienne, femme de Dieu, délivrée par le Seigneur, rachetée par le Seigneur, parce que la parole nous dit que nous sommes rachetés par le Seigneur, par son sang. Vous ne pouvez pas aller encore demander de l'argent pour pouvoir acquérir une femme chrétienne et racheter par le Seigneur. Mais attendez, vous vous rendez compte de la, du terme de l'arnaque la, de, de, de ici, de, 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 du mensonge. Vous ne pouvez pas racheter quelqu'un qui a déjà été racheté, qui appartient... Totalement comme 1 Corinthiens 6, 18, le, 19 le dit, notre esprit et notre âme et notre corps. Hein, donc notre corps et notre esprit appartiennent au Seigneur. C'est le Seigneur qui est notre, notre propriétaire. Et 1 Pierre 2 nous dit que nous sommes le peuple acquis par le sang du Seigneur. Et dans acte 20, 20 28, dit, Paul dit l'église que nous sommes a été acquise par le sang de Dieu. De quel droit allez-vous, messieurs, vous qui demandez la dot Exiger encore de l'argent pour donner vos filles en mariage et ensuite vous vous dites euh, que vous êtes chrétien, que vous marchez selon les écritures, quelles quelle écritures? Parce que tout est mélangé. Si vous voulez appliquer la coutume, cette coutume cananéenne dans ce cas-là, et, et appliquer aussi toutes les autres coutumes. Ne prenez pas seulement les choses qui vous arrangent. Parce que vous voulez justifier vos traditions, vos cultures complètement charnel, démoniaque. Hein, euh, vous voulez utiliser la parole du Seigneur pour justifier vos traditions, en tordant les écritures, en sortant des passages hors de leur contexte. Non, c'est de l'arnaque, c'est du vol, c'est de, de la vente. Vous vendez vos enfants. Et vous, vous allez vous présenter devant le feuillant pour l'adorer en esprit, soi-disant, en vérité. Non, mes amis, c'est du vol. Donc, vous voyez bien que les fables de Dieu ouvrent grandement les oreilles. Vous n'êtes pas des objets à vendre. Vous n'êtes pas de la marchandise à vendre. Donc, ici, le monsieur là, l'homme euh, là, à mort, qui était un cananéen hein, euh, de Sichem, il va dire clairement que, n'est-ce pas, donnez-moi le prix d'achat de Dinah. Voilà. On veut l'acheter. C'est pour cela que on pouvait facilement. Euh, euh, C'est pour cela que son fils Sichem a couché avec euh, avec Dina. C'est pour cela qu'on dit bien qu'il a déshonoré. C'est-à-dire les femmes à l'époque euh, n'étaient pas trop considérées. C'était comme des objets sexuels, n'est-ce pas Donc on pouvait facilement coucher avec, on pouvait facilement les, les violer. Ce n'était pas un problème parce que les hommes avaient tous les droits. Donc là, il déshonore Dina. Et on nous dit qu'il a su parler à son cœur, c'est-à-dire une fois qu'il a déshonoré, c'est-à-dire qu'il a couché avec, il a violé. Il a vu comment Dina était blessée, comment Dina était dégoûtée de la vie, et il a su la, la, la convaincre avec des paroles. Et la parole le dit, il a su parler à son cœur. C'est parce que son cœur était blessé, parce que Dina était mal. Comment vais-je, euh, pour vous dire, comment vais-je, euh, n'est-ce pas, euh, paraître devant mes, mes frères, devant mon père, parce que j'ai perdu ma virginité, parce qu'on m'a violé, on m'a déshonoré. Déjà, elle avait perdu son honneur. Parce qu'elle était complètement dés... La parole le dit, elle était déshonorée. qu'elle elle a perdu son honneur. Violée. Et le monsieur maintenant va dire à son père Prends-la prends la moi pour femme. C'est-à-dire avec l'argent que nous avons. Eh bien, c'est comme tu es le chef ici hein, de Sichem. Eh ben, va parler à son père Prends-la moi. Après avoir violé cette femme, je la veux. Achète-la. Et le père arrive Voilà, donnez-moi le prix d'achat de cette femme. On dit bien, c'est le prix d'achat d'une épouse. Et qu'est-ce qu'Apocalypse 18 nous dit, mes amis Qu'on arrête un peu d'évoquer la parole du Seigneur en disant, c'est biblique la dot parce que c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est des coutumes. Vous allez voir pourquoi la dot était exigée. C'est parce que les femmes étaient déshonorées. Voilà. Tout simplement, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 18. On mélange tout, on dit. Il n'y a pas de dot pour les hommes. Bien évidemment, parce que c'est comme si les familles des, des hommes n'ont pas suffisamment travaillé pour éduquer leurs enfants et ne méritent aucun honneur. Alors que la parole dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mm -hmm. Matthieu 5, 12. Car c'est la loi et les prophètes. C'est ça la justice du Seigneur. Voilà. Et nous, on ne veut pas de cela. Nous, on veut de cela, mais je veux dire, les hommes ne veulent pas de cette parole. Dans Apocalypse 18, on nous dit quoi après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force, à haute voix, et il dit, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit impur et le repère de tout oiseau impur et détestable car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée, et le roi de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Puis j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez de Babylone mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux, car ses péchés se sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui selon ce qu'elle vous a fait, et payez-lui au double selon ses œuvres. Et dans la même coupe où elle vous a versé à boire, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Car elle a dit en son cœur, je siège en règne, je ne suis pas veuve et je ne verrai pas de deuil. C'est pourquoi ces plaies qui sont la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour et elle sera entièrement brûlée au feu. Car le Seigneur Dieu qui la jugera est puissant. Car les rois de la terre ont commis la fornication avec elle et ont vécu dans le luxe la pleureront et mèneront deuil sur elle en se frappant la poitrine quand ils verront la fumée de son embrasement. Et ils se tiendront éloignés de la crainte de son tourment et diront ⁇ Malheur, malheur, Babylone la grande, cette ville si puissante, comment sa condamnation est-elle venue en une seule heure ?⁇ Les marchands de la terre aussi, voilà ce qui nous intéresse ici, les marchands de la terre aussi pleureront et seront dans le deuil à cause d'elle. Parce que plus personne n'achète leurs marchandises. Donc vous voyez, quand on demande la dot, on vend à sa fille. C'est comme, c'est comme une marchandise. Et, et ces hommes-là, ces personnes-là sont dans Babylone. Qu'elles soient pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, peu importe, ce sont des marchands, ce sont des vendeurs d'âmes. Voilà, ce sont des, des vendeurs du temple, des marchands du temple. Et la parole nous dit, ce sont, n'est-ce pas, des marchands de Babylone. Pourquoi Ils vendent de quoi On nous dit d'abord. Ils ont des marchandises et on va voir quelles sont ces marchandises. On nous dit qu'il y a bien sûr de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate de toutes sortes de bois odoriférants et de toutes espèces de bois de senteurs, d'ivoire et de toutes espèces de vaisseaux, de bois très précieux, des reins de fer, de marbre, du cinnamon, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fine fleur, de farine, du blé, de bœufs, des brebis, de chevaux, des chars, des esclaves et des âmes d'hommes. Des esclaves et des âmes d'hommes. Voilà. Eh ben, ces filles sont vendues comme des esclaves. Dina ici, n'est-ce pas? On va proposer, on va demander son prix comme si elle était une esclave qui devait être vendue. Voilà pourquoi, mes amis, ben, c'est moi pour moi, ces hommes-là qui demandent la dot pour leurs filles sont comme des, es, des esclavagistes. Voilà. Et qui vendent les, leurs esclaves et, et on nous dit que ce sont des vendeurs, des marchands d'âmes d'hommes. Dames d'hommes. Et c'est terrible. C'est terrible. Donc on voit bien que c'est vraiment Babylone. Et c'est pour cela que les Cananéens demandaient la dot comme ça, mes amis. Quelle est, mes amis, euh, euh, est, attendez, tu as une fille, on la viole par un homme, et le père de cet homme vient vous demander le prix d'achat de votre fille. Attendez, on comprend pourquoi euh, euh, Judas et Siméon et, et, et Lévi, pardon, ont réagi comme ça. On n'encourage pas, bien sûr, le meurtre, pas, pas du tout. Dieu est contre cela, Dieu ne veut pas qu'on tue. Mais je veux dire, euh, la réaction de ces hommes, euh, mes amis, était liée à, au comportement de cet homme qui viole leur sœur. Et leur, son père vient demander maintenant le prix, le prix d'achat, comme si Dina était un objet à vendre, une marchandise. c'est exactement ce que toutes ces familles indiennes ou africaines, n'est-ce pas, font en demandant de l'argent, 1500, 2000, 3000 euros, des chemises, des, des, des sacs de riz, tout ça pour avoir leur fille. C'est du vol, tout simplement. Il y en a qui vont dire, mais oui frère, on est d'accord, mais il faut quand même quelque chose de symbolique. Donnez-moi, vous qui prêchez la vérité, vous voulez prêcher quel évangile Vous voulez prêcher la parole ou vous voulez prêcher vos traditions Vous voulez prêcher la parole du Seigneur ou vous voulez marcher selon vous, vos traditions, vos coutumes Ou c'est écrit dans la Bible qu'il faut donner un cadeau symbolique C'est écrit où Donnez-moi un seul verset. Donnez un cadeau symbolique à la famille, aux parents de la femme. Et pourquoi pas à, 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 aux parents de l'homme La maman de l'homme n'a-t-elle pas porté cet enfant pendant neuf mois N'a-t-elle pas couché de cet enfant dans la souffrance, dans les douleurs Ne l'a-t-elle pas élevé dans la souffrance Et son père ne, ne l'a-t-il pas élevé dans la, dans, en, en investissant dans sa vie financièrement, matériellement, psychologiquement, spirituellement, tout ça C'est quoi cet évangile que vous voulez prêcher Cet évangile injuste Ou seulement une famille, une seule famille qui doit être honorée et pas l'autre C'est quoi cet évangile c'est quoi ces coutumes et ces traditions? Et vous osez dire que vous prêchez le retour à la parole? Quel retour à la parole? C'est pas ça, mes amis. Et quand on va dans euh, euh, Deutéronome 22, hein, donc du coup, chez les Hébreux, on retrouve des lois, une loi hein, relative à, à, aux, aux vierges qui étaient violées, n'est-ce hein, pas? Où il était question, bien sûr, de donner une somme d'argent pour réparer. Euh, la faute. Voilà, et nous sommes euh, au verset 28 donc euh, de 22. Nous sommes euh, et euh, à partir du verset 25 Herman, 22 25. Si l'homme rencontre dans les champs euh, la jeune la jeune fille fiancée et que l'homme lui fait violence et couche avec elle, alors l'homme aura couché avec elle, alors l'homme qui aura couché avec elle mourra lui seul. Mais tu ne feras rien à la jeune fille, la jeune fille n'a point commis de péché digne de mort, car c'est comme si un homme s'élevait contre son prochain et lui ôtait la vie. Verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, qu'il soit découvert, ouais, et qu'il soit découvert, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et il la prendra pour femme, parce qu'il qu l'a humiliée. Il, point, il ne pourra point la répudier tant qu'il qu vivra. Voilà, donc on voit ici, c'est la, la même chose que Dina a vécu. Donc c'est devenu une loi en Israël, parce que Dina était violée. Et on, on appelait cet argent-là la dot des vierges. Hein? Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc c'est les seuls versets dans les Écritures où il est question de la dot. C'est un rapport, avec, un rapport euh, euh, en relation avec, avec, avec le viol. C'est tout. En fait, c'est euh, Dieu s'est servi de l'histoire de, de Sichem et d'Ina pour mettre des règles. Tout simplement. Parce qu'il y avait cette coutume-là chez les Cananéens. Et comme les Hébreux avaient récupéré leur terre, leur pays, donc il fallait maintenant à, à, à réglementer, à mettre des lois, des règles qui allait empêcher euh, les Hébreux de reproduire la même, euh, la même erreur, l'erreur de Sichem, le péché de Sichem. C'est tout. Et Dieu, en aucun cas, n'a dit que la dot doit être payée. Dieu, en aucun cas, n'a dit que la dot doit être payée pour être sauvé. C'est complètement charnel. Et les gens vont se servir de l'exemple d'Abraham pour dire qu'Abraham a payé la dot. Mes amis, Abraham a fait un don de sa propre initiative de son propre chef. Et il n'était pas du tout question, mes amis, d'une quelconque exigence euh, euh, d'une de, euh, de, de, somme d'argent euh, de la part de la famille euh, de Rebecca. Pas du tout. Donc, on, on peut faire dire à la Bible tout ce que l'on veut tout ce que l'on veut, pardon, si on a des mauvaises intentions. On peut faire dire à la Bible tout ce que l'on veut. On peut faire dire à Dieu, au Seigneur, tout ce que l'on veut, si on a des mauvaises intentions. Vous voyez, nous interprétons la parole, beaucoup le, le font, avec un arrière-plan culturel. Parce qu'il y a la culture derrière, parce qu'il y a une influence, mes amis, de leur tradition. Eh bien, ils vont maintenant euh, trouver des versets pour poser, pour justifier, pour valider, consolider leur position, leur coutume, leur tradition. C'est complètement charnel. Complètement charnel. Déjà, ces femmes euh, sur qui on exige, pour qui on exige la dot, ne sont pas violées, d'accord, pour commencer. Elles ne sont pas non plus vierges, d'accord. Si l'on veut se maintenir, si l'on veut appliquer cette loi mosaïque, parce qu'il y a des question de la loi mosaïque, d'accord. Attendez. C'est le monde à l'envers. Et on nous dit que c est, c est, tout est mélangé. tout est Donc on voit bien que c'est une invention purement euh, humaine. Et Paul dit que ce sont les parents qui marient leurs enfants. Mais il est question, bien sûr, ici et, euh, des parents euh, qui, ont, qui, qui respectent la loi de Dieu. Bien sûr, même dans le monde, même s'ils ne sont pas soumis à la loi de Dieu. Mais ce sont les parents qui aident leurs enfants à, et, à, 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 à se marier, qui les encouragent. Et regarde ce que Paul dit par rapport justement aux parents. La responsabilité des parents, et surtout des parents chrétiens que nous sommes. Paul dit quoi? Et euh, acte, 20, 20, acte 20, 33. Acte 20. Acte 20, 33. Il est dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Et vous savez vous-même. Que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux euh, des personnes qui étaient avec moi. Continue. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Alors tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassèrent, étant principalement affligés de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Voilà. Donc, euh, on voit bien que Paul dit qu'il n'a désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements. Donc, ça, c'est un autre contexte, c'est vrai. Mais même temps, Paul disait, hein, ce ne sont pas aux enfants à amasser pour les parents, mais ce sont aux, les parents qui doivent amasser pour les enfants. Et là, on voit que des parents qui ont déjà vécu, qui ont déjà leur vie, qui travaillent depuis des années, qui parfois ont euh, des comptes bancaires bien approvisionnés, et qui ne vont pas malheureusement, tellement qu'ils sont cupides pour la plupart, influencés par leur culture, ne vont pas investir financièrement dans les projets de mariage de leurs enfants. Ils vont demander une forte euh, somme aux gens, de l'argent aux gens, à leurs enfants qui sont jeunes, qui veulent se marier, qui viennent de commencer la vie, alors qu'ils sont censés mettre de l'argent de côté pour les soutenir. Même la nature nous enseigne les oiseaux construisent leur nid pour permettre aux, aux, aux oisillons, euh, n'est-ce pas, de se développer. Et l'homme créé l'image de Dieu est devenu tellement cupide, tellement orgueilleux qu'il va jusqu'à vendre ses propres enfants il va jusqu'à arnaquer. Ses propres enfants. Sous prétexte que c'est une coutume, parce qu'il faut donner à l'oncle, euh, à tel oncle euh, un peu, à telle tante un peu, à tel tonton un peu. Euh, il faut la, un costume là-bas. Une sœur me disait samedi dernier qu'elle a, euh, n'est-ce pas, je crois qu'elle a marié sa fille, et une des tantes euh, a demandé euh, une, une écharpe euh, Chanel, euh, 400 euros. Et c'est une femme, euh, celle qui a demandé cette écharpe-là, 400 euros. Va dans les assemblées, dans les églises, là, pour prier. Écoutez, on comprend pourquoi aussi l'Afrique est dans cet état-là. Voilà, laissez-moi vous dire les choses clairement. On comprend pourquoi. Trop de cupidité, trop de cupides et, 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 et voilà. Donc, euh, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on revienne à la parole. Il faut qu'on change. et si on me dit, oui, mais moi, je vais honorer la, la, les parents de ma femme, tout ça, parce que, mais honorer les parents de sa femme, ce n'est pas, pas seulement quand on va lui offrir un parfum. C'est en étant un, un, un gendre correct. Voilà. Intègre. Honnête. Respectueux. Ce n'est pas seulement le jour du mariage que tu vas donner un cadeau. C'est tous les jours de ta vie qu'il faut être correct. Voilà. Tout est mélangé dans la tête déjà. C'est pour cela que beaucoup d'Africains n'arrivent pas à gagner les, les Européens. C'est à cause de ce message complètement sectaire, complètement ethnique. Qui fait que eh ben les gens ils restent entre eux dans leurs coutumes. Ils sont en Europe depuis des années, ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne veulent pas évoluer. Et, et, et voilà, c'est ils sont dans toutes sortes de coutumes, traditions. Euh, voilà, donc je ne dis pas qu'il faut renier ses origines. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des bonnes choses dans nos cultures qu'il faut garder, les mauvaises on les, on les met de côté. Mais il faut qu'on sache ce que l'on veut qu'on ne prenne pas la parole du Seigneur euh, comme un instrument euh, pour asseoir nos propres euh, comment dire, euh, ambitions, euh, notamment euh, visions euh, pécuniaires. Euh, nos intérêts euh, financiers. Et ça, c'est de l'arnaque. Et là, on voit bien l'enfant qui est ainsi doté, la fille qui est ainsi dotée, eh bien, va aller chez euh, l'homme. Et si elle est stérile, eh l'homme, c'est souvent le cas, hein, on le voit, eh l'homme va commencer à, à la malmener en disant bah, écoute, moi, je paye la dot, et comment ça se fait que tu sois stérile eh bien, Je veux la, te renvoyer, ou je veux prendre une autre femme. Et même les parents de l'homme vont commencer à dire non, mais il y a un problème, il faudrait qu'elle appelle ses parents parce qu'elle est stérile, et on lui met la pression, cette femme, comme si c'est elle qui décide d'être stérile et on la condamne, on la blesse, on la malmène. Mes amis, attendez, c'est quoi cette un... Et ça va dans les églises pour prier Dieu Ça va dans les églises pour chanter Ça se dit pasteur, prophète, apôtre, docteur Écoutez, c'est quoi cette affaire-là C'est quoi cet évangile-là Paul a enseigné la dot où Pierre a enseigné la dot où Jacques a enseigné la dot où ces apôtres qui étaient lavés par le sang de l'agneau avaient compris le message de Yeshua, avaient compris le message évangélique, que le, le peuple était libre, que nous n'étions plus sous le, sous le joug de l'esclavage. Paul le dit, celui qui veut observer une seule loi dans Galate, il doit observer toute la loi. Voilà, la parole est claire là-dessus. Vous demandez la dot Eh bien, observez toute la loi mosaïque. Voilà, tout. Alors, il faudrait qu'on arrête, il faudrait qu'on soit sincère. Donc, euh, qu'on arrête, qu'on arrête de vendre nos sœurs comme des, la, de la marchandise. C'est pour ça, là, personnellement, ce n'est pas de l'orgueil, ça, ça ne m'intéresse plus d'aller dans ces mariages-là. On voit comment ils parlent entre eux pour discuter sur le prix. On, on fixe un prix, on dit c'est 1500 et ça va discuter. C'est comme, si, comme si des parents vont dire aux gens, notre fille ne vaut que 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros et ça va discuter et on va... Non, attendez, c'est quoi On est où là, mes amis là? Et ça ouvre la Bible, ça prêche, ça chante, ça prie. Écoutez, moi, je ne mange plus cette sauce-là, c'est fini. Voilà. Et je, trouve, comme je le dis, j'ai trois garçons. Le jour où ils voudront se marier, eh ben, si jamais, déjà, de toute façon, il ne faut jamais amener une femme euh, dont la famille euh, réclamerait euh, une quelconque d'autre, parce qu'ils sont déjà bien enseignés là-dessus, eh ben, c'est clair. Je leur dirai carrément écoutez, dites à cette femme de retourner chez ses parents, hein, c'est clair. Voilà. Les marchands eh ben il y en a assez, il faut les dénoncer. C'est du vol, c'est clairement du vol. Voilà. Oui, je vous le dis bibliquement parlant, n'allez pas payer vos dots. Même si vous me lapidez. Je sais que dans le milieu africain, je suis beaucoup lapidé aussi. Ce n'est pas mon problème. Vous savez que je, vous avez affaire à un fou. Je le dis, hein. Je suis fou. Plus vous me critiquez, plus je parle. Plus vous faites des vidéos, plus je vous dis continuez, faites encore. Parce qu'actuellement, ils sont calmes. Mais Je vous dis, il faut continuer parce que je suis, je, je m'ennuie. Il faut continuer. Allez-y, continuez encore. Continuez encore. C'est bon, c'est une bonne publicité. Voilà. C'est ça la folie. Donc, vous voyez... Euh, faut qu'on arrête, qu'on arrête de vendre les gens euh, chrétiens n'accepte plus ces enseignements-là. Cette, cette doctrine, doctrine démoniaque. C'est une doctrine de l'enfer. Le Seigneur a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous me direz mais oui, mes frères, c'est par rapport à quoi Par rapport à l'Évangile. Bah oui. Les enfants que vous avez, les enfants que nous avons, qui a payé pour les avoir Qui a payé La Parole nous dit que à la mort, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La Parole le dit. Hein on nous dit que c'est Dieu qui nous a formés, qui nous a créés. Les enfants sont simplement prêtés aux parents. Et vous, maintenant, vous allez, oh, prête-moi ton portable, s'il te plaît. Tu me prêtes ton portable et moi, je vais commencer à... Je vais le vendre à Herman, mais tu me l'as prêté, ce n'est pas à moi. Voilà pourquoi Paul dit en Christ, il n'y a ni homme, ni juif, ni homme ni, 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 y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Nous sommes un. Oui, ben oui. Nous serons comme des anges à la résurrection. Parce que nous appartenons à Dieu. Et en guise de quoi, vous allez fixer le prix sur vos filles pour les vendre. Oh non, mais oui, mais il n'y a pas que nous. Il y a tel oncle qui. Mais vous êtes chrétien, vous avez peur des sorciers. Vous avez peur. C'est quoi cet évangile là? Les sorciers sont sous nos pieds. Satan a été vaincu. Vous avez peur de quoi? Peur de qui? Il me ben faut l'évangile qui doit vous libérer. L'Afrique doit être libérée de cette, de, de cette dot-là, hein, de, de toutes ces dotes. Et il euh, y en a qui demandent des caïmans, qui demandent euh, des, des, de, des, des groupes électrogènes. électrogènes pour faire quoi des Pour des aller allumer vos, vos, vos maisons euh, mystiques dans la, à la, 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 la nuit, dans le deuxième monde des, euh, des chèvres, des machettes pour aller couper la tête des gens hein, De noix de cola, coco, co c'est de ces, la Sorcellerie. Lors de débats sur la dot, là, c'est là que les gens sont euh, attachés au, au mystiquement. C'est là qu'on les marie au mari et aux femmes de nuit. C'est là qu'on les épouse aux mari et aux femmes de nuit. Voilà pour les gens des problèmes. C'est de la sorcellerie. Voilà, mes frères et sœurs, c'est dit, c'est sorti. C'est comme ça. Voilà. Prenez la vidéo diffusée là. Ben, que Dieu soit béni. Commentez ce que vous voulez faire. Faites ce que vous voulez avec. Mais en tout cas, une chose est sûre, je ne me tairai pas. Et je ne suis pas le seul. Les frères et sœurs sont éclairés, sont libérés. Voilà. L'évangile doit libérer les gens. Voilà. voilà, Du, du coup, je, ben, tant, tant qu'à faire, hein, je n'ai pas encore fini. Toujours dans le même élan. Par rapport à la dot, toujours Oui, toujours. Ouais. Okay. Il y en a qui vont dire, euh, oui, mais... Euh, par contre, on l'a pris dans Matthieu, et, parce qu'il euh, y a aussi des enseignements sur la dot. Et il y en a qui vont dire, oui, euh, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Du coup, est-ce que maintenant, un chrétien qui, euh, qui, qui, a, qui a pris position comme... comme, comme... Prenons cette parole-là dans Ephésiens 6, d'abord. Prenons la parole, parce que nous devons... Toujours aller vérifier la parole de Dieu. Vérifier, commence comme les Béréens. Mm. Matthieu 6, 1, euh, euh, Ephésiens 6, là-bas. Herman, tu peux le nous faire la lecture, s'il te plaît. Le verset. À partir du verset 1er. Verset obéissez à vos parents. Et à, du moins, enfant, obéissez à vos pères et à vos mères dans le Seigneur, car cela est juste. Ah. Obéissez à vos pères et à vos mères dans, dans le... le Seigneur. Voilà. On n'a pas dit dans les traditions. C'est important de le souligner. Dans, le, dans Seigneur, le Seigneur, Alléluia, ou selon le Seigneur, on n'a pas dit dans les traditions, dans les coutumes. Donc, un père qui te dit, suis nos traditions, eh ben, si moi je suis chrétien, je dis papa, j'ai été délivré des traditions. Donc, l'enfant ne pêche pas. Il pêche pas, pas Donc, du tout. Celui qui, qui refuse de payer la dot, il ne pêche, pêche, pêche pas. Non, pas du tout. Regardez, il y a une région au Congo euh, où les filles sont dévirgées par leur père. La veille de leur mariage. Et maintenant, on va dire à ces filles, à celles qui sont chrétiennes, qu'elles doivent honorer leurs parents. L'obéissance le, est toujours conditionnelle, selon les Écritures. Ephésiens 5 nous dit soumettez-vous les, les uns les autres, dans le Seigneur toujours. Soumettez-vous les uns aux autres. C'est-à-dire, si tu me demandes de me soumettre à toi, tu dois aussi te soumettre à moi. Si je dois me soumettre à toi, c'est parce que tu es soumis à la parole. Mmh, okay. Vous voyez Et elle est. Toujours conditionnelle la soumission. Donc non, ces enfants qui refusent de suivre les traditions, euh, ils, ne, ils ne doivent en aucun cas, ils ne doivent en aucun cas, je le répète, manquer du respect à leurs parents, mais ils doivent prier pour que Dieu leur mette la conviction dans leur cœur. Ils doivent prier pour que Dieu se révèle à eux, mais ils doivent rester fermement attachés à la parole du Seigneur. C'est pourquoi Yeshua disait "Je suis venu jeter un feu avec l'épée. Cinq dans une maison seront divisés, deux contre trois, trois contre deux." Mais ouais, il faut rester ferme sur la parole. C'est comme ça. C'était la, la dot, la dot des vierges qui était donnée euh, euh, aux gens. Voilà. Donc, euh, la parole est claire là-dessus. Je crois que. Donc, euh, que le Seigneur soit, euh, soit béni. Alléluia. D'ailleurs, pour votre information, à l'époque euh, aussi, euh, les femmes, euh, on les mariait à, de, à partir de l'âge de 13 ans. Hein, hein, parce que c'est à l'âge de 12 ans, les hommes faisaient leur bar mitzvah. Euh, voilà. Bar mitzvah. Et, euh, donc, c'était la majorité pour les hommes. C'est pour cela qu'Yéchoua, Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est retrouvé à 12 ans dans le temple. Parce qu'à 12 ans, il y a, une, il y a un rite, un rite hein, initiatique, euh, selon lequel l'enfant était devenu maintenant ma, ma, adulte, majeur. Ben, il pouvait euh, faire la lecture de la Torah dans le temple ou dans les synagogues. Et les filles, c'était à l'âge de 13 ans. Donc. On voit bien qu'on ne va pas demander encore à ces doteurs-là, à ces doteurs hein, euh, demandeurs de dot, de marier leurs filles qui, qui ont 13 ans aujourd'hui. Hein, parce que s'ils si veulent appliquer la dot, qu'ils appliquent toute la loi de Moïse. Hein, qu'ils marient aussi leurs enfants à, à leurs filles à 13 ans. Donc euh, qu'on arrête. Et, et celles qui sont violées. Et aujourd'hui, quand on commet un viol, bah, on fait de la prison. Hein. Ah ouais, y a pas On va payer une dot pour... pour, hein, pour euh, on fait de la prison. Hein. Moi, si tu viens à l'Assemblée, tu, tu violes une sœur, tu demandes pardon on te pardonne, mais d'abord on va te faire de la prison. Amen. Bah oui, parce que le pardon n'exclut pas les, cons les conséquences. Hein. Tu violes une soeur en Christ. Moi, je, en tant que prédicateur, tu demandes pardon, le frère, je te pardonne, mais moi, nous sommes dans un pays organisé, il y a des lois. Eh ben, je veux faire, je veux signaler ça à la police. Voilà. Ah, c'est clair. Pour ne pas qu'on dise, pasteur, tu couvres le péché. Non, 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 non. Tu vas te dénoncer à la police, tu vas faire de la prison, ça va t'aider. Le fait que tu sois isolé, ça va aider ta chair. Après la prière de délivrance, maintenant la chair, il faut, n'est-ce pas, la discipliner. Voilà. Que Dieu soit béni. Parce que ceux qui disent, oui, le pardon, le pardon, oui. Quand, si on viole ta fille, hein, tu, vas, tu vas faire quoi On pardonne, oui. Mais euh, Dieu, quand on pêche là, il, par, il nous pardonne. Hein, mais il dit, les conséquences, tu vas les payer. Hein. Ah, bah oui. Il faut qu'on arrête, mes amis, d'être trop euh, trop TTS, là, trop euh, spiritualiste, tout ça là, complètement euh, zinzin. Il faut qu'on revienne un peu sur terre, mes amis. Là. Voilà. On est plus spirituel que la, la spiritualité même. Mm. Que Dieu soit béni. Je crois que là, le message est passé, c'est clair. Diffusez-le. Donc on, on, je pense qu'on fait la pause là. À moins que quelqu'un ait quelque chose à dire là dessus. Ouais, euh, J'ai une question pour euh, surtout pour les sœurs qui nous suivent. Ils se retrouvent dans une situation où ils acceptent la parole, ils sont d'accord avec le message, mais en même temps, ils ne peuvent pas fuir de leur maison pour aller se marier. Quelle attitude ils doivent avoir quand ils savent que leurs parents s'attachent à la dot et qu'ils sont soumis à leurs parents Ils ne peuvent pas faire autrement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire mais Moi, je crois que nous, nous avons des exemples des sœurs qui, une fois éclairées par, par l'évangile, hein, par le Seigneur, ont pris position. Pour la vérité devant leurs parents, sagement, et les parents ont changé aussi de langage parce que nous croyons que Dieu est celui qui convainc, que Dieu est puissant. Hein? Donc, maintenant, si les parents refusent à tout prix euh, euh, de se soumettre à la parole du Seigneur, et eh bien la fille ne doit pas, pour autant, bien sûr, accepter de rentrer dans cette coutume parce que c'est anti-biblique. On ne doit pas la vendre. Elle n'est pas un objet à vendre, elle n'est pas un produit à vendre. C'est comme ça. Vous savez, on ne peut pas dire oui à la sanctification et en même temps dire non quand une parole telle que celle qui dit que la dot c'était pour les femmes violées et c'était pour acheter. Et ça venait des païens, ce n'est même pas du Seigneur. Donc on ne peut pas maintenant commencer à vous, vous la négocier parce qu'on se dit, bon, ce verset m'intéresse mais l'autre là-bas est un peu plus dur, alors je fais une compromis, un compromis. Non, il faut être ferme, il faut être entier. Il faut être. Voilà, la dot, elle est. Euh, C'est une pratique d'origine cananéenne. Voilà. Et, euh, et euh, que les, les Hébreux ont incorporé, euh, voilà, euh, adopté, et, hein, essentiellement pour les femmes violées, voilà. Et, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas un seul verset biblique qu'ils peuvent utiliser pour réclamer cette dot, parce que ces femmes, notamment, qui sont souvent dotées, ne sont pas violées. Et elles, pas, euh, elles ne sont pas vierges, non plus. Donc, vous voyez bien que la parole n'est pas respectée. Alors, une chrétienne qui veut respecter la parole doit euh, obligatoirement être contre la pratique de la dot. Voilà. Donc, si elle, les parents ne veulent pas, ben, elle doit rester fidèle à la parole. Voilà. Hum? C'est allumé, c'est allumé. Non, je crois qu'on n'entend pas. C'est pas vert. Là, c'est bon. Donc, ça veut indirectement, donc les parents qui, euh, qui dotent leur fille, donc, bibliquement, donc indirectement, c'est comme s'ils considéraient qu'elle était déshonorée. Et, euh, et indirectement, elle les parents considéraient, je ne pense même pas, parce qu'ils ne sont même pas là. Enfin, je veux dire, euh, euh, c'est vrai que consciemment, ils ne le disent pas, ils ne le savent même pas. Mais je veux dire, moi, je pense que, je dirais plutôt que pour ses parents, pour la plupart, c'est tout simplement par cupidité. Tout simplement. Parce qu'il y a la cupidité. Et, euh, et maintenant, il faut leur faire comprendre que ceux qui prennent la dote, prenaient la dot à l'époque, c'est parce que leur, leur fille était déshonorée. Mais vous, ce n'est pas pour cette raison-là. Et parce que leur fille était vierge. Vierge. Et sachant qu'en Israël, le mariage ne peut pas valider sans la preuve, n'est-ce pas, de la virginité de la fille, c'est-à-dire le sang. Voilà. Selon Deuteronome 22. Et une fille déviergée, une fille violée, c'est une fille qui ne pouvait plus se marier. Si jamais l'homme se sauvait. Et, et si elle était plus vierge, on l'a lapidée. Voilà pourquoi jo jo Joseph a voulu, n'est-ce pas, secrètement, euh, rompre, littéralement, divorcer d'avec Marie. Parce qu'elle n'était plus, parce qu'elle était enceinte. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'elle était toujours, toujours vierge. C'est pourquoi Dieu lui a dit, c'est ta femme, elle est toujours vierge. Mais bon, ces femmes, ne sont pas des maris. Voilà. On se rend compte vraiment que dans, dans cette histoire de la dot, beaucoup des de, de, de parents, des filles disent euh, euh, je suis, euh, Moi j'ai payé la dot, euh, il faut que pour ma fille il faut qu'on paye la dot. Ben c'est ça. C'est vraiment la cupidité. C'est la cupidité, ça y est, -dire que tu, je si te donner. « donné. il faut que. Voilà, c'est de la vengeance. Oui. <laughs> voilà. faut qu il faut qu'il paye. Il voilà. faut que le garçon qui viendra paye. Voilà. Et très souvent, moi j'ai vu des couples hein, qui venaient me voir, des jeunes qui disaient, euh, euh, les sœurs disaient, voilà, nos, nos maris, euh, nos futurs maris n'ont pas d'argent, travaillent, travaillent un, un tout petit peu, ils ne gagnent pas beaucoup, donc du coup, bah, on est, nous sommes obligés euh, de participer à la dot. Donc sans se rendre compte, ces parents, ils ne se, se rendent même pas compte que leurs propres filles sont obligées, avec leurs propres petites économies, de donner de l'argent à leur futur mari pour que ces derniers les, le donnent à leurs parents. Aux parents de la fille, des, des filles. Donc, vous voyez bien que. ou de la jeune femme. Vous voyez que c est, c est, tout est faussé, tout est. Euh, fou, non, honnêtement, ça fait mal au cœur. Oh, ça fait mal au cœur. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'il y ait une repentance. En fait, le message, ce message doit nous amener à la repentance. Véritablement. À ne pas chercher des versets ici et là pour construire une doctrine qui ne tient pas. Hein, pour justifier une tradition qui euh, n'a ni tête ni queue, qui n'a pas de fondement biblique. Voilà. Aucun fondement biblique. Jacob a, a travaillé pour ses deux femmes, a travaillé euh, 14 ans. 14 ans. Voilà. Et, et euh, c'est 14 ans de travail, euh, de labeur, de souffrance, tout ça. Donc, euh, si vous voulez utiliser l'histoire, l'exemple de Jacob, dans ce cas-là, allez travailler 14 ans. Euh, donc, 7 ans hein, pour votre femme. Voilà. Et vous voyez qu'Abraham, quand elle a donné ses présents, ce n'était même pas le père de Rebecca qui avait pris, c'était son frère et sa mère. Et c'est Abraham lui-même qui avait donné ça. Et il n'en a, a pas fait non plus une doctrine. Il faut qu'on arrête de dire, oui, c'est le père de la foi. Il faut faire comme lui. Et dans ce cas-là, prenez vos fils, vos, vos fils aînés, allez les sacrifier sur le mont Morija comme Abraham. Allez en Israël et retrouvez le mont Morija. Marchez pendant trois jours avec des serviteurs, avec un âne, l'enfant dessus attaché. Hum? Allez aussi prendre une femme en Égypte, à gare, comme Abraham. Allez aussi chez les Philistins, mentez que votre femme n'est pas votre femme. Hein? Et marier, épouser aussi vos demi-sœurs, parce que Sarah était une de, demi-sœur, la demi-sœur d'Abraham. Donc si vous voulez faire comme Abraham, exactement, vous aurez des, des difficultés. Hein? Priez aussi pour que qui vous apparaisse pour payer la dîme des, 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 du butin. Pas la dîme de votre salaire. Arrêtons de vouloir mélanger les choses. Arrêtons de d'interpréter, mes amis, de manière, de manière tout à fait euh, hasardeuse et euh, charnelle la parole du Seigneur. Arrêtons, soyons sincères, revenons à Dieu. Repentons-nous. Que Dieu soit béni. Okay. Jésus a payé... Donc euh... Toi, tu vis au Congo. Oui, je vis au Congo. Donc... Je comprends, je, je connais, je connais. C'est normal qu'ils se défendent comme ça. Mais pourquoi Pourquoi les gens sont si attachés à leur tradition comme ça C'est parce que justement, on se rendra compte qu'à Kinshasa, même quand ce vent de réveil est venu, ceux par qui Dieu est passé n'étaient jamais sortis de leur culture. C'est pourquoi au Congo, vous avez des églises où le pasteur est, est, est luba, Tout le monde est luba. Vous avez des églises où le pasteur est... Ils sont très, pouvez, attachés en, en est très attachés aux traditions. On est très attaché aux traditions, au point même que... Au point où même les églises institutionnelles, par exemple l'église protestante, dans l'église protestante, vous avez des communautés d'après les tribus. Wow. Vous avez la CEAC, la Communauté évangélique de l'Alliance au Congo. Ça, c'est l'église protestante pour les, les gens du le bas Congo. Vous avez la CEBCO. Ça, c'est pour les Banyanga. Mais ce sont des églises protestantes institutionnalisées. Donc, c'est un défaut culturel tellement enraciné. On oriente la parole selon la culture parce que ceux qui ont enseigné cette parole n'étaient pas affranchis de leur culture. Et ce n'est pas que la dot, c'est beaucoup de sujets. Il y a la dot, il y a, il y a plein d'autres coutumes. Exactement, la de, exactement. La même au au de... point où même on a tellement abusé avec la dot, là, le, le Parlement devait voir une loi sur le code de la famille pour fixer même un plafond, ce qui ne s'est pas encore fait dans d'autres pays, parce qu'on a tellement abusé. Il faut maintenant que la loi fixe un plafond, parce que la dot, ça ne va plus. Et même la sœur qui dit que la dot, c'est pour justifier, même quand on rentre dans les lois africaines, à l'origine, même la dot telle qu'on l'a fait ne respecte même pas les lois les lois qu'elle disent respecter, parce qu'elle ne rapporte rien. Et même quand on fait l'histoire de ces traditions, pour remonter à la dot, si on va voir les historiens, ils vous diront que la dot avait un fondement beaucoup plus spirituel. C'est pourquoi même les ancêtres à l'époque ne demandaient pas beaucoup. Ils demandaient une machette, une noix de cola. Et quand vous grattez, c'est ce que l'on demande comme symbole là, la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, mmh. ce sont des liens que l'on crée. Mmh. Donc à l'origine ça ça a un intérêt spirituel, mais la cupidité est venue, on a on a rendu ça financier. Donc même quand on essaye d'expliquer, c'est normal, c'est normal. Tu prêcherais ces messages à Kinshasa, tu sors ben tu auras tout le monde contre toi. Et ah ben, est... de toute façon, je ne me dérange. Oui, oui, oui. Donc, euh... j'explique ces choses parce que c'est toute et la. Tu, tu dois le prêcher aussi parce que c'est la, la vérité. Mais c'est clair. Hein? C'est clair. En l'appliquant d'abord moi-même. Parce qu'on va dire, on va. Non, je vais d'abord l'appliquer moi-même et je vais l'enseigner aussi. C'est-à-dire l'appliquer comment Parce que t'as pas de fille à marier. Et... Non, non. C'est-à-dire moi-même d'abord en me mariant. <laughs> si c'est la dot, je ne me marie pas. Si mmh. ça doit atteindre 20 ans, ben j'attendrai 20 ans. Mmh. Déjà, c'est ça. Et, euh, j'ai des sœurs. J'ai des sœurs qui ne sont pas encore mariées. Ils, ils les écoutent. Je pense même que. Ma mère est en train de suivre et on en a parlé avec quelle elle. est sa position là Elle a dit que Dieu nous aide. Elle reconnaît que c'est la parole elle doit se soumettre. Après, elle sait qu'elle doit, elle doit aussi parler de ça à mon père, mais elle sait que c'est la parole et il faut qu'on se soumette. Le problème, c'est qu'on nous a présenté tellement un évangile sucré qui ne met pas l'accent sur le renoncement à soi. Quand vous voyez un tel problème, c'est un problème de renoncement à soi. Ça. Je suis sûr qu'en entendant ces messages, je n'ai rien contre cette sœur parce qu'elle a, par a parlé de la question que je posais. C'est parce qu'elle-même a été dotée. Déjà, ça fait mal de voir que j'ai été acheté. Il n'y a pas cette conscience qu'il y a cette blessure. Et moi, quand je l'entends, vous, vous sentez beaucoup des blessures. Elle, elle se dit que finalement, j'ai été acheté. Non, je ne veux pas quand même accepter cette réalité. Donc, Donc ça, ce que le, on ne te la, condamne la, pas. C'est ce que la Bible dit. Oui, c'est clair. C'est ça. Et quand, quand on prêche cette vérité, les gens vous disent condamne. <laughs> non, là, justement. C'est dans la culture aussi congolaise, Déo, euh, le mensonge. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas dire la vérité aux gens. Hein? Donc, il faut parler de manière tout à fait détournée et, euh, parce qu'il ne faut pas choquer tout ça. Et quand on dit la vérité, bah, tout monde, on condamne, on juge. Pourtant, la parole nous dit de condamner les œuvres de ténèbres et de ne pas les, comment dire, les, les accepter. Et Ephésiens 5, 11 nous dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et la dot, mes amis, je le répète, haut et fort. C'est une, est une œuvre infructueuse des ténèbres et on doit la condamner. Et je vous assure, on va la condamner comme on va faire avec la dîme. Et comme on n'est pas là pour se faire des amis, donc ce n'est pas notre message, est, on n'est pas là pour se faire acclamer. Nous devons annoncer l'évangile. Voilà. Donc, quand le Seigneur est venu en Israël, effectivement, il a trouvé des traditions hein, et il a dénoncé ces traditions. Il a dit aux pharisiens Vous avez remplacé la parole par vos traditions. Voilà. Donc quand on dit que la dot est biblique, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont bibliques qui, qui ne sont plus comment dire, observables aujourd'hui. L'apider quelqu'un qui n'a pas observé euh, le Shabbat, c'est biblique, mais ce n'est pas néo-testamentaire. Voyez, quand on dit c'est biblique, tout de suite il faut l'appliquer. Mais pourtant, il y a beaucoup de choses que nous n'appliquons plus. Les femmes qui étaient interdites au temple, c'est biblique, c'est écrit. Les Noirs, les, 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 les autres nations qui n'avaient qui pas le droit d'être prêtres en Israël, c'est biblique. Mais pourtant, euh, euh, cela ne plus euh, n'est pas néo-testamentaire parce que Christ a aboli tout ça. Et la parole nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cet acte-là, c'est la loi mosaïque. Il a effacé. Alors, quand j'entends des gens dire Moi, je veux continuer à faire ce que je veux, à, 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 à après la dîme, est-ce que quand on paye la dîme, on va aller en enfer oh, Mais en fait, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut prendre les choses humblement. La parole, quand elle, elle nous dit les choses de manière claire et nette, on l'accepte. Si on est enfant de Dieu, on n'est pas là en train de lutter pour dire non, moi je ne veux pas, je ne veux pas parce qu'on m'a enseigné comme ça, on ne m'a pas enseigné comme ça. Non, il faut qu'on soit humble, qu'on accepte la vérité. Voilà. Et le fait de dire la vérité, de prendre le bâton pour dire la vérité, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la méchanceté ou de la colère. Simplement parce qu'il y a des millions de familles qui sont blessées, qui sont fatiguées, qui sont dépouillées, des femmes qui sont blessées, qui sont dépouillées, qui sont utilisées comme des objets. Et on couvre ça hein, hein, par euh, cette parole qui dit qu'il faut honorer, soi-disant, les parents. Alors que ce n'est pas ça. Honorer les parents, c'est selon le Seigneur. C'est dans le Seigneur. C'est ce que la parole nous dit. Voilà. On va prendre une dernière personne. Euh, parce que je vois que ça suscite beaucoup de, beaucoup de, de, de questions et euh, beaucoup d'intérêt. Allô, bonsoir Oui, allô, bonsoir Oui. Oui, euh, bonsoir, François. Bonsoir. Oui. Ah, on entend mal Oui. Bien. Je Là, bientôt, je vais, faire, je vais faire marier ma fille. Moi, je nous, on est chrétiens, mais la famille de papa, ils sont des orphelins. Elle est orpheline, mais la famille de papa demande la dot. Comment réagir à ce point-là Très bonne question, ma soeur. Vous voyez, donc, quand il y a des, des questions comme ça, ça permet à ce qu'on explique les choses correctement. Vous savez, ma soeur, euh, as-tu déjà entendu parler des témoins de Jéhovah ah, Oui. Ils ne sont pas, bien sûr, dans la vérité, parce qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Dieu. Donc là, nous sommes d'accord, pas de problème. Mais néanmoins.. S'il y a quelque chose qu'on doit leur, n'est-ce pas, euh, s'il y a une chose qu'ils font euh, qui peut nous interpeller, c'est qu'ils oui. ils prennent position pour leur conviction. C'est-à-dire, oui. euh, on ne le voit pas prendre la dot. Oui. D'accord oui. et, et comment font-ils En fait, le, être chrétien, c'est quoi Être chrétien, que veut, que veut dire être chrétien Être chrétien, c'est être capable de prendre des positions pour la parole de Dieu. Quitte à être persécuté. C'est ça être chrétien. Le Seigneur a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et son nom est la parole de Dieu. Donc, un chrétien qui veut obéir au Seigneur sera forcément rejeté, haï. Et le Seigneur elle a dit qu'il ne faut pas chercher à plaire aux hommes. Paul dit, est-ce est que je, ce sont les hommes que je prêche ou Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à Dieu? Donc, il faut humblement dans la prière, bien sûr, dire cette parole, cette vérité euh, aux gens, à la famille, et rester fidèle à Dieu. Voilà. Oui, mais oui. Ben oui, ben, comme nous aussi, les Africains, on est patriarcal, parce qu'on dit, mais papa dit, de... bon, mais comme il n'y a pas papa, pas, il y a des oncles. Euh... Mais papa, le papa n'est pas là, même si là, vous êtes patriarcal, tout ça, là. mais nous, nous ne sommes pas euh, là, nous sommes chrétiens avant tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes, nous avons une nouvelle identité avant tout. Mmh. Et quand on est, quand on devient chrétien, on doit gentiment, euh, sagement l'expliquer, le dire à, à nos familles. Et, et puis, nous avons une nouvelle identité. Et, et nous ne devons pas commencer à faire des compromissions ici, à des compromis parce qu'on veut plaire aux gens, parce que, non, il faut rester biblique. Le, le mot dot, selon la Bible, signifie littéralement euh, prêt d'achat d'une épouse. Exactement. Voilà. Donc maintenant, il faut rester ferme jusqu'au bout. Crois-moi, ma sœur, si tu obéis au Seigneur, personne ne peut te tuer, personne ne peut toucher à ta fille. Ah, non, voilà. Bien. Ok. Mais tout, tout, que je me... ça va parce que ça te peur, que quelque part, de je... s'opposer à la famille, Quand on suit la vérité, forcément, il y a forcément une opposition par rapport à certaines coutumes qui ne sont pas en accord avec la parole. Donc, forcément, il y a une opposition. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que c'est difficile. Euh, vous voyez, ça fait mal de voir, euh, parce que c'est un enseignement pour plus parler euh, ce soir aux Africains, euh, aux Indiens également, et en même temps, ça permet aux, aux Occidentaux de comprendre un peu euh, cette tradition, cette coutume-là qui, qui fait euh, des dégâts, hein, des, des ravages terribles dans, les, dans certaines familles. Ouais. Et euh, on voit comment les gens sont attachés à leur tradition, à leur coutume. Et quand la lumière vient, ben on veut s'agripper à un verset qu'on a mal compris, euh, qu'on n'a même pas bien, bien étudié, et puis on veut justifier quand même ces pratiques et tout ça. Et, euh, et comme on, tout à l'heure, on a lu Genèse 24, hein, où on nous dit que c'est Rebecca qui a d'abord reçu euh, des présents. Donc, je veux dire, on se réfère à cette parole pour justifier la dot en Afrique, alors que les femmes ne prennent même pas un euro de cet argent qu'on donne. Et quand on me dit qu'il y a une tribu qui donne tout l'argent à la femme, eh bien, moi, je ne la connais pas, cette tribu, et même, et il faut qu'on qu qu change. Quand on devient chrétien, on change et on peut changer nos, 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 nos ethnies, on peut changer nos, 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 nos régions, on peut changer nos pays. Mais si on ne veut pas changer, si on se soumet à chaque fois aux traditions d'hommes, on ne va pas apporter le changement. Mais si on, 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 on prend position pour la vérité, on peut amener le royaume de Dieu dans nos pays, dans nos villes, dans nos quartiers. Sans bien sûr euh, un, euh, forcer qui que ce soit, par la prière, en parlant, en, en discutant avec les uns des les autres, on peut amener un changement de mentalité. Et c'est ça l'évangile. La repentance c'est quoi C'est le changement d'opinion. Changement de mentalité, changement de conception des choses, hein, de, de, de la vie. Et on change. Voilà. Bon, de mon côté, je sais, bon, ben, on va pas s'en dire de ce côté, maman, de on demande pas de ça, je dis non à ça. Ben, J'ai eu la guerre quand même, à côté, à côté avec mes, mes tantes, mes soeurs, hein. Je t'ai mis ferme. Je Et là, je dis non, c'est pour mes enfants, je t'ai mis femme. C'est côté là la jugement. C'est ma fille. Et ils t'ont compris Ben, Il y a ceux qui m'ont compris, il y a non. Il y a les autres, non. Voilà. Et, ils, et puis, tu l'as si bien dit, ma soeur, c'est ta voilà. fille. Voilà. Celle que Dieu t'a prêtée. Voilà. Ce n'est voilà. pas la fille des autres d'abord. Oui, c'est voilà. la famille, nous sommes d'accord, mais c'est d'abord ta fille. Voilà. J'avais peur au côté de papa. C'est côté papa qui. Le papa étant décédé, eh ben, ouais. si un oncle veut euh, 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 comment dire, se présenter comme étant le papa de cet enfant, bien sûr ouais. c'est son oncle, bon il n'y a pas de souci, mais je veux dire quand cet enfant, quand ta fille avait besoin du lait, l'oncle ouais. était-il là euh, non. Voilà. Pourquoi maintenant? Parce que elle veut se marier, qui va commencer à vouloir demander de l'argent. Quand cet enfant avait besoin des couches, est-ce qu'il a amené des couches? Quand cet enfant était malade, est-ce qu'il est-ce est qu'il a, il a acheté un médicament? Quand cet enfant est allé à l'école, est-ce qu'elle est l'a cherché? Tout ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête avec l'arnaque. Voilà. Et si on veut libérer aussi l'Afrique, eh il, il faut utiliser la parole du Seigneur. Et, euh, il y a des bonnes choses dans nos, dans nos traditions, on les garde. Il y a des mauvaises, eh bien, on les enlève. Comme il y a des bonnes choses dans la tradition européenne qu'on qu garde, les mauvaises, eh ben on les accepte pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand, quand on dit que Dieu est pour toutes les nations, eh ben oui, mais Dieu n'est pas euh, dans toutes les tradi dans, dans les traditions d'hommes. Dieu n'est pas dans les coutumes d'hommes. Non. Jérémie 10 nous dit Dieu dit n'imitez pas les lois des hommes, c'est-à-dire les traditions d'hommes, les coutumes d'hommes. Voilà. Donc euh, il faut qu'on revienne au Seigneur. Voilà, qu'on euh, qu soit soumis à l'Évangile. Bon courage. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni. T'aurais ta question, ce que ça suscite, hein, que Dieu soit béni. Alors, mes amis, à bientôt. Que Dieu vous garde. À demain, 20h30, heure de Paris. Connectez-vous sur tv RDD.